Les garçons, ouais. Vous avez préparé vos sacs de cours? Oui, pas de soucis, c'est bon. Parce que la rentrée, c'est dans quelques jours quand même, hein? Ouais. Ok. Non mais, vous avez fait vos sacs ou pas? Ouais, tranquille, tranquille. Bon, Néo, je pense que t'as fait le tien. Ouais. Tu peux aller vérifier celui de Swan aussi, s'il te plaît? Ok, je vais vérifier ça. Vérifier qu'il a rien oublié. Ouais, quand même. Allez. Il est où son sac? Ah! Waouh, mais il est énorme! Il est super lourd! Qu'est-ce qu'il met dedans? On dirait qu'il va exploser! Non, mais il est vachement top ton sac en fait! Waouh! Ah, c'est trop classe! J'aurais trop aimé avoir ça, son aile! Alors, voyons, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Mais c'est quoi tout ça? Mais c'est une blague! Quoi? Non mais... C'est des stylos? Un Skylander? Un Diplodocus? Encore un Skylander? Encore un Skylander? Mais c'est quoi ces Skylander là? Mais... C'est possible, c'est une blague! Un Iron Man? Une figurine de Thor maintenant? Un Lunala? Un Spider-Man? Skylander encore? Il a pris plein? C'est quoi ce bruit? Hein? C'est quoi ce truc? Il y a un truc qui bouge dans le sac. Il a emmené quoi là? C'est pas possible. C'est quoi cette bestiole? Attends, c'est quoi ce truc? C'est quoi? Mais c'est Nuts? Il y a Nuts dans le sac. Il est sous les jouets. Captain America. On a encore Thor. C'est une blague. Et là, il y a Nuts. Et... Mais Nuts, qu'est-ce que tu fais là? Mais soit t'as mis dans le sac, carrément. Mais qu'est-ce qu'il allait faire de toi à l'école? C'est une blague. Mais... C'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il avait dans la tête, soit à ce moment-là? Mais déjà, il a plein de figurines. Il amène Nuts comme ça. Écoute, les écoles humaines, elles sont pas faites pour les hamsters. Désolé. Bon, là, moi, je vais te mettre dans une tête de Lego, hein. Alors celle-là, elle est pleine. Allez, une petite pièce de Lego vide du coup. Non, non, porte-toi vite. Ah. Bon, Note, ça va. On va te mettre avec les pièces, hein, en attendant, voilà. Tiens, du coup, ta petite maison en attendant. Bon, tiens, en attendant, je te donne ça pour t'occuper. Un petit Skylander. Bon, t'inquiète pas, Note, je vais bientôt finir l'inventaire, je vais pouvoir te remettre dans tes cages. C'est quoi ce truc? Des chocobons. Il prend des chocobons pour aller à l'école, lui. C'est pas possible, mais qu'est-ce qu'il a dans la tête, là? C'est la fête, c'est les vacances? Non, ça va être la rentrée. Il va en manger en classe ou comment ça se passe? La cantine, déjà. Bon, de toute façon, maman sera pas au courant de tout ça, donc... Enfin, moi, ça sera très très bien. Bon, maintenant, il a pris quoi encore? Captain America? Encore? Mais c'est pas possible. Mais il va faire quoi en classe, là? Il va jouer avec ses figurines? Encore des figurines, c'est pas possible, c'était World of Warriors ce truc. Ça, ceux-là ils sont petits, ça va être discret, genre ils vont se fermer comme ça. Non mais là c'est plus possible. Et puis quoi encore, la Switch franchement. Mais c'est n'importe quoi. Yeah, la Switch en classe c'est interdit. Il va forcément se faire cramer, sérieux. Mais c'est une blague. N'importe quoi, franchement. Celui-là il a de ses idées. Mais c'est notre cahier de texte en plus. C'est une blague. Ah, peut-être qu'il voulait le montrer à ses copains. Bon, je vais bien lui laisser, après ça, ça va, c'est pas grave. Par contre, ce grand métier là, c'est grave. Non, mais c'est n'importe quoi. Quoi, il y a plein de jouets. Attends, des World of Warriors, Skylander. Ah ouais, voilà. Il y a plein de petites figurines. Oh, là, là. Avec ça, il peut jouer discret en fait. Hein. World of Warriors. Il y en a plein. Oh, mais il a rien de la remplir, c'est abusé. Oh, il y a que ça. Bon, au moins il a pris quand même une équerre et une trousse. Ouais, là ça va, heureusement, hein, quand même. Attends, il y en a encore là, des World of Warriors. Oh, il y a plein de trucs. Voilà, nous avons ceux-là. Ah, heureusement, il y a des cahiers. Attends, c'est pas des cahiers? Une BD Schtroumpf, une BD plein de zombies et une BD Kid Paddle? C'est n'importe quoi. En plus, je me disais, oh, c'est des cahiers, il est innocent et tout, mais.
Non mais là il se fout vraiment de moi. Ça va barder hein, il va voir là. Ah, un agenda. C'est le nôtre en plus. Une ardoise. Ouais là ça va. Compas, tranquille aussi. Bah, c'est plus possible. Encore des World of Warrior. Je suis habitué maintenant, franchement. Une règle. Tranquille. Encore World of Warrior. Il reste quoi dans le sac? Bah, cette poche là, je crois bien qu'il y a tout. Bon, maintenant la poche de devant. Bon, ça va aller, on a mis petit goûter, mais. Figurine squelette. Sérieux. Du Nutella. Il allait manger en 12 du Nutella, lui, au calme. Des mini. Mais sérieux. C'est pour son goûter, ça. Des voitures, mec. Ah, il va faire la course durant la récré. Non, je sais pas si c'est à la récré ou en classe. Ah, d'accord. Course de voiture, super. Il a un bon planning, lui, pour le CM1. Je comprends qu'il est moteur à l'école. S'il aimait ça tous les jours. Ouais, c'est bon, maintenant il a des mouchoirs, et là c'est une boîte avec ses tickets de cantine. Vous voyez que ça va. Par contre, bon, déjà je vais remettre ses affaires qui sont correctes dans son sac. Tiens, là il y a encore une poche. Qu'est-ce que ça peut bien être? Des crayons? Bah non, enfin, ça peut pas être des crayons. N'importe quoi. C'est quoi ce machin? C'est quoi ce truc encore? Un jeu Mario? Quoi là, mais je comprends pas, là, franchement, là c'est quoi? C'est une boîte à goûter? Non, c'est un jeu, c'est un labyrinthe possible, là, mais franchement, des voitures, encore des voitures. Oh, c'est un Minecraft de Minecraft. Il a eu ça où? Un mini-jeu maintenant. Ah, bah voilà, il y a la Switch et il y a le mini-jeu. Au cas où la Switch n'a plus de batterie vu qu'elle se vide assez rapidement, il y a le petit jeu. Voilà, non, mais tout ça là, c'est un quoi? C'est renvoyer à l'école. Maman, qu'est-ce qu'elle va dire là, franchement? C'est une blague. Et maintenant, une ceinture Pokémon. On aura tout vu là, franchement, dans le sac. Oh, n'importe quoi. C'est quoi ça? Qu'est-ce que je vais leur dire là, sérieux? Qu'est-ce que je peux faire? Les mêmes notes en plus. Oh, c'est abusé. Alors, est-ce que je le dis à maman ou pas? Quand j'ai faim, j'arrive pas à réfléchir. J'ai une solution. Manger. Oh, mais notre tâche, t'es sauvé la vie. T'imagines si t'étais allé à l'école? T'aurais fini dans un endroit hyper bruyant avec plein d'enfants. Ça aurait pu être hyper dangereux pour les petits hamsters comme toi. Crois-moi, notre, c'est tellement mieux dans ta cage. Je t'ai sauvé la vie, oh. T'imagines si maman avait su ça? Et puis il y a même Nuts. T'imagines si j'avais dit à maman? N'est-ce pas, hein? Oui, Nuts. Il est juste là. Non mais Swan, t'imagines si tu t'es fait prendre par la maîtresse? Oh, t'aurais été limite renvoyé, là, même renvoyé. Non mais Swan, c'est n'importe quoi. On m'a emmené des jouets, des bandes dessinées de jeux vidéo, un hamster. C'est bien que c'est totalement interdit. Mais c'est mignon, hamster. Mais non mais même, on peut pas l'emmener à l'école. Non mais en plus, t'as mangé mes chocobons. Et tu as osé enlever la Switch. Quoi, mais la Switch, attends, c'est abusé. Les chocobons, c'est pour te protéger, ça, hein. Bon, non, je suis pas dans ma chambre tout de suite. Parce que, déjà, on veut tous mes jouets et mes BD. Ça, c'est inacceptable. En la Switch et Notch, c'est inacceptable. Et en plus, manger mes chocobons, ça aussi. Maintenant, tu t'en vas. Tu pars. Et tu pars. Petit microbe. T'as pas intérêt à mettre ça dans le cartable, sinon je vais tout se le dire à maman. Et en attendant, je reprends Notes pour le remettre dans sa cage, pour. Mais tu les as écrabouillés! Tu sais quoi, Léon, de toute façon, je vais me venger! Ah, mais tu me menaces maintenant, enfin, écoute. Tout ce que je fais là, c'est pour ton bien. Non, il y a tout en vrai. J'ai plus rien, plus de choses à faire et tout. Il y a même enlevé la Switch. Et à manger le chocolat. Ma vengeance sera terrible.